Le projet est né d'une envie de créer voilà, un centre d'échange artistique comme celui-ci. Et surtout, ça a été rendu possible parce qu'on a eu l'opportunité d'investir un immeuble, cet immeuble-ci de 3 étages, dans le centre de la Guillotière. J'ai vu cette idée au 59 Rivoli, l'immeuble parisien qui avait été squatté pendant 15 ans et qui a été ensuite racheté par la ville de Paris. Nous cherchons à faire le même genre de choses ici, avec la même inspiration. Et je voulais recréer le même genre d'ambiance où on a des artistes qui viennent créer dans les ateliers et le lieu étant ouvert au public, on a pour les visiteurs la possibilité de faire un parcours dans les étages et parler aux artistes et voir comment ils appréhendent leur passion et leur mode d'expression. Chaque personne a interagi avec l'espace. Il y a Kessadi par exemple qui a recouvert plusieurs murs, le plafond, le sol, etc. Il y en a d'autres qui ont cherché dans l'histoire du lieu et de ses habitants. Résidence artistique à prendre au sens large. On va créer notamment des ateliers de peinture au couteau, à l'acrylique. On essaie de faire plein d'événements qui vont permettre aux gens, surtout du quartier, de venir et rencontrer des artistes. La première exposition collective de la Taverne du Taberg s'appelle En Conversion. On a eu 35 artistes invités, dont un collectif qui s'appelle Zigzag, qui a été porté par Félix Lachaise. On a proposé que le collectif Zigzag vienne exposer ici. Donc il y avait un thème pour cette exposition qui est en conversion. Et on a décidé d'y répondre en prenant la figure du skieur dans la montagne, le skieur en randonnée, qui fait une conversion à ski. La conversion à ski, c'est ce moment un peu technique du skieur qui se retrouve à s'arrêter et pour changer de direction, à mettre un ski dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Est-ce que notre projet ne serait pas de parachuter une vingtaine d'artistes autour du skieur paumé dans sa montagne et venir lui chatouiller sa spatule, vérifier si ses appuis sont bien bons, un peu l'enquiquiner, quoi. On a tous des univers très différents, des supports et des médiums très différents et on est capable de pouvoir monter une expo ensemble, avoir des œuvres vraiment différentes qui s'en mêlent et autour d'un même terreau qui est pour ici cette exposition, le bâtiment. Pour l'avenir, nous avons aussi le devoir de trouver un moyen viable économiquement de faire poursuivre l'aventure. Il y a différentes manières de faire contribuer le public et les usagers. Donc on réfléchit à tout ça et on espère créer une dynamique avec le public et les artistes, leur permettre de voir comment ces derniers travaillent et du coup c'est ce qui rend le lieu vivant.